Salut, 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 mes coucous du monde entier. Je m'appelle Angela Andela, la star. Je voudrais que vous enregistrez ma vidéo. Je voudrais que vous partagez ma vidéo. Faites beaucoup de partages. Je voudrais que ça fasse le tour du monde. Je vais vous parler de mes enfants. Je vais vous parler de ce qu'une maman vit sans voir ses enfants auprès d'elle. C'est douloureux. C'est triste, c'est malheureux. Vous êtes une maman, vous avez vos enfants, et ce sont les autres gens qui utilisent vos enfants pour leur faire du mal, pour les rendre nuisibles. Lorsque la police, je vais aussi vous parler de l'agressivité auprès de la police française. J'ai été agressée, j'ai été chosifiée. J'ai chié et j'ai fait caca et j'ai fait pipi sur moi ce jour-là. Les policiers, ils m'ont encerclé, ils m'ont attaché, ils m'ont muselé, ils m'ont coulé, ils m'ont mise, ils m'ont tapé la tête au sol. Ils m'ont violenté. La police française, elle est méchante. Même les femmes qui sont avec eux, elles n'ont plus de compassion, elles n'ont plus de cœur, elles n'ont plus d'amour, elles n'ont plus rien. Ces femmes, elles n'ont plus, je vous assure, ce que j'ai vécu, le jour qu'ils sont venus enlever mes enfants. Je ne vais jamais utiliser une caméra cachée parce que les caméras cachées montrent tout. Une caméra cachée. Une caméra cachée, parce que si j'avais mis une caméra cachée chez moi, j'aurais tout revu après la scène. Quand la police française vient t'enlever tes enfants, mais ce sont des animaux, ce sont des zombies, ce sont des lions. Et des lionnes. J'ai eu affaire aux hommes, j'ai eu affaire aux femmes. J'ai voulu me maîtriser, vous savez, je me maîtrise. Je me suis maîtrisée à ma place, à ma manière. Mais ils étaient 28 sur moi. J'avais 28 policiers. Ceux qui attrapaient la bouche haut, ceux qui attrapaient les oreilles haut, ceux qui tiraient les cheveux, mais coucou, c'est pour ça. Si un jour vous ne me voyez plus avec les tresses sur la tête, c'est parce qu'ils ont tiré mes cheveux. Mais donc, ils tiraient mes rastas. J'avais les rastas quoi sur la tête. Ils ont tiré. La police française, elle est méchante. Ils ont tiré mes cheveux, tiré, qu'ils ont arraché. Vous voyez ici, je n'ai plus les cheveux. Mais coucou, vous voyez, je n'ai plus les cheveux. Oui, je vous l'ai dit. Au monde entier, mais coucou, partagez ma vidéo, que ça fasse le tour du monde entier, s'il vous plaît. Je voudrais dire au monde entier d'enregistrer cette vidéo et de montrer ça à mes enfants plus tard. Montrer mes vidéos à mes enfants plus tard. Dites à mes enfants que je les ai aimés. Que je les aime toujours. Vous comprenez? Dites à mes enfants que ce sont les meilleurs enfants. Ils ont obéi, ces enfants-là. Mais coucou, ils ont été obéissants. Ils ont voulu poser des questions. Ils ont parlé à la manière des enfants, avec la langue des enfants. Ils n'ont même pas regardé à gauche, à droite. Ce qui les intéressait, c'était ces enfants-là. Oui. Mais coucou, dites à mes enfants il faut toujours utiliser le truc, mais coucou, il faut toujours utiliser ça. Ça pique. Ne mettez pas dans les yeux. Ne mettez. Aïe. Ça débouche le nez.
Mais coucou, ça dépasse le Doliprane. Si tu as froid, si tu n'es pas bien, tu mets ça avec de l'eau. Tiens, tu bois. Ça te chasse le froid. Ça, c'est vrai, ça fait pleurer, ça fait couler les larmes, mais ça pique. C'est pour ça les yeux. Ça fait rougir les yeux, mais ça vous enlève le pollen. Oui, je sais pas ce que c'est. Moi, j'achète ça au Cameroun. On m'envoie ça, j'envoie de l'argent au Cameroun, on m'envoie ça par DHL. Ça arrive, et je vous assure, depuis que j'utilise ça, je n'ai plus jamais été à l'hôpital. Moi, je vais pas à l'hôpital. Hein. Pour faire quoi? Pour me faire insulter. Ça soigne tout. Hémorroïdes, ça soigne. Pète blanche, ça soigne. Oui, donc, je vous ai donc mes coucous. Les gens n'ont plus de cœur. Les gens n'ont plus de sentiments. Les êtres humains sont devenus... voilà. Ce n'est pas ça que je suis venue vous raconter. Je suis venue vous dire que donc quand ils enlèvent mes enfants comme ça, ce qui m'énerve est que la poupée de ma fille est tombée par terre. Mais coucou, la poupée de ma fille est tombée par terre. J'ai dit, monsieur, s'il vous plaît. C'est là où j'ai dit que non. Ils n'ont pas ramassé la poupée de ma fille par terre. Mais coucou, les méchants. La police. Maman, la police française. Mais coucou, n'utilisez pas beaucoup, ça pique. Non, je pense que je l'utilise en overdose. Je pense que... Mince. Aïe.